Donc nous reprenons, nous sommes arrêtés hier. Donc quand nous avons envisagé les différentes pratiques ou le yoga qui appartient à la classe de tantra, de l'action du kriya tantra, on a vu que cette pratique, la pratique principale proprement dite, consiste en deux types de yoga, le yoga avec signe et sans signe. Que le yoga avec signe lui-même donc est constitué, cette pratique même est constituée par deux types de concentration, une concentration avec répétition et une concentration sans répétition. Cette concentration avec répétition implique en fait une concentration qui s'appuie sur ce qu'on appelle les quatre branches, qui consiste en les quatre branches de la récitation. Quatre branches de la récitation qui consistent en des absorptions, quatre types différents d'absorption. Une absorption on dit littéralement sur la base de soi, donc subjective. Une absorption en relation avec la génération frontale. On parlera donc d'absorption sur la base objectale, il y a une absorption sur l'esprit, sur la base de l'esprit, une absorption sur la base du son. Lorsque l'on s'intéresse davantage donc à la première branche donc de récitation, celle qui est effectuée en relation donc avec ce que l'on appelle l'autogénération, c'est-à-dire cette absorption qui se fait en dépendance de la base subjective, donc cette branche ou cette concentration requiert en fait ce qu'on appelle la méditation des six déités. Donc
L'on a vu donc hier, notamment également, que on a vu donc ce que l'on entendait par la déité de la vacuité, la déité. On a vu que ce qui relevait donc de la, en tout cas que la première donc intitulée la déité ultime en fait, ou la déité du vide, on peut le traduire aussi ainsi, en fait consiste en la méditation sur la vacuité, et cette méditation permet donc d'actualiser le corps, pardon, l'esprit éveillé donc d'un Bouddha. Ensuite, on a vu les deux méditations suivantes, celle qui consiste en la déité des sons et ensuite la déité des syllabes, qui tous deux en fait concourent à l'actualisation de la parole d'un éveillé, d'un Bouddha. Tendai yigi di korapeje nala nguchu serki chamal chamba shindu sa ji yongdo nguchu serki chamal chamba shin di ser servo imbala chasha ne du servo imbala chasha en di gan ya nguchu Mercury, ini tu sebabnya aku kabur cik sebab kalau kabur tu tak tak kurang macam saya terbujur degi serba, oh dah sergi cemai kalau ngucu tu tempat yang sih cajai, ini orang ni bermain hong sini, yigi dia land dia bermain macam, tu siapa land dia bermain macam, yigi dia diri mundi yang sih cajai, kurang nanti ayuh dia, ngucu sergi ser ngucu sergi cemai lah tempat sih tu, mana yigi tu orang ni bermain yigi susu kau bate. Ane, wajar tu ane, papa tu, ane semacam gitu tuhce sini, tak tuh ni cie, papa tu sini, jauh le cobe cok ni berce, ane tayar berdoa itu semacam nama berce, waktu ni cik, cak ni cik doa s. Pour ce qui consiste donc en cette méditation donc sur la déité des syllabes, la visualisation procède ainsi que l'on visualise sur le disque de lune. En fait, on visualise que le disque de lune est empli en fait et saupoudré, on pourrait dire, de sable d'or. Et sur ce sable d'or, les lettres du mantra donc de Chanrezi, par exemple ici, le mani, sont inscrites comme de la couleur du mercure, avec l'idée ici que c'est l'aspect plutôt blanc lumineux donc du mercure qui ressort. Ces lettres donc sont écrites à la périphérie du disque de lune et on ne les visualise pas debout à la verticale, mais au contraire comme si elles étaient écrites en fait à plat à l'horizontale, donc à la circonférence en fait du disque de lune lui-même recouvert de sable d'or. À la suite de cela, on visualise que ces syllabes émanent des rayons de lumière qui à l'extrémité desquels se trouve autant d'aria Chanrezi, qui va accomplir les deux activités. Dans un premier temps, des activités d'offrande qui sont effectuées en relation avec les objets de refuge. Dans un deuxième temps, des activités qui visent à amener les êtres à mûrir, tous les êtres donc des six classes d'êtres, à mûrir leur continuum mental. Si ji chani kiri yana, chao dong chen dong kiri yana, ta kanda cha yugu la kanda kain na ya. O tu, tu chini, la jie ba ti, ene dire su ki la as. Ta di, tong be la, yi rai la, yi gi la, su ki la, ta si ba dire la chuk nangi. Ene rani, la kanda jie ba ti, ene su ki la as. En vertu de ces offrandes donc et de ces effectuées vis-à-vis des objets de refuge et de ces actions donc menées afin de faire mûrir le continuum mental des êtres, en vertu de cela, les rayons de lumière sont ensuite réabsorbés, se résorbent, et ce qui a conduit à la transformation en fait de ces syllabes qui se transforment en ce que l'on appellera maintenant la déité de la forme, c'est-à-dire en l'autogénération proprement parlée de soi-même sous l'aspect de la déité, avec un visage de bras, un visage j'ai quatre bras ou à mille bras, peu importe l'aspect donc que revêt Chanrezi selon la sadhana donc à laquelle on s'adonne. Donc en fait on arrive ainsi à la quatrième donc ce qui correspond à la quatrième étape, la quatrième méditation après la déité ultime, la déité des sons, la déité des syllabes, on est maintenant à la déité de la forme. Hein?
Donc je vais laisser un instant l'exposé, donc aussi linéaire, et je vais faire en fait une digression donc pour y revenir. Lorsqu'on médite en fait une déité, cette méditation pourra avoir une portée à partir du moment où notre réflexion est extrêmement profonde. En fait, notre compréhension, notre terme, est extrêmement profonde. Tant que l'on n'a pas développé une profonde compréhension, en l'occurrence de la vacuité, c'est comme si cette on n'a pas de moyens finalement pour pouvoir méditer à proprement parler, s'adonner à une telle méditation. Parce qu'en fait, lorsque l'on nous interroge, par exemple, si on nous demande qu'est-ce que tu fais comme pratique de déité, on peut dire moi je médite Chenrezig. Et alors naturellement, on peut poser la question, mais en dépendance de quoi finalement tu t'es transformé et tu es devenu Chenrezig? En dépendance de quoi ce corps, cette chair, enfin ces os, etc. se sont transformés et sont devenus Chenrezig? En dépendance de quoi? Quelle est la base en fait qui permet d'établir en fait une telle déité? C'est la vacuité. Et donc la question naturellement va se poser, mais la vacuité c'est quoi? L'objet réfuté, l'objet de réfutation finalement, quel est-il? Et à moins d'avoir une profonde compréhension de en quoi consiste donc la vacuité, l'objet de réfutation, le type de conception donc et la manière dont cette conception s'engage vis-à-vis de cet objet, à moins d'avoir une telle compréhension et cela en s'appuyant donc sur l'analyse complète offerte par les Madhyamas, il est complètement vain, en fait, ou il est complètement vain de penser s'adonner à une telle méditation. Non.
En fait, l'importance donc de revenir à la vacuité et d'avoir cette compréhension de la vacuité est implicitement donc exposée par le fait que la première méditation consiste en la déité du vide, la déité ultime. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est indispensable de faire, c'est de pouvoir développer une compréhension donc de la vacuité qui est tirée d'abord de l'étude, de l'écoute. Donc développer en fait une telle compréhension à partir de l'étude et pas simplement quelque chose que l'on va admettre conventionnellement, mais quelque chose sur lequel on va ensuite réfléchir. Donc développer une compréhension issue de la réflexion qui va user donc de tous les différents raisonnements, comme le fait de savoir si l'existence intrinsèque, par exemple, de regarder le raisonnement en quatre points, donc si les choses sont intrinsèquement une ou intrinsèquement distinctes, donc par exemple, d'user des différents types de raisonnements de façon à, grâce à cette analyse, pouvoir émettre un doute favorable en faveur de la vacuité et de se dire effectivement, au vu de cette analyse, l'esprit arrive à une conviction, une certitude que effectivement la vacuité, ça doit être cela. Et ce n'est qu'à cette seule condition qu'à ce moment-là, il y a véritablement une méditation de la déité ultime et qu'ensuite, donc, les autres méditations donc, peuvent être induites, celles des sons, des syllabes, et en arriver à se générer sous l'aspect de la forme. Le simple fait de penser, oh, Ganla nous a expliqué comme ça, il en est ainsi, donc nécessairement la vacuité est ceci, il faut que je médite comme ci et comme ça, ça d'aucune façon ce n'est suffisant, il faut arriver à développer cette, déjà au moins ce doute qui émane, donc ce doute en faveur de la vacuité, donc qui émane de la réflexion. Tanda karichene silabaina o ngatseru yunda nga nemebe tanda nga lamru yunga tanda silabaina ta 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 kora chin yamars kor tunje tendel ya gomje tendel ta ta chin yamars ta ta wana khande ji insna tse ta dembe gi ani goba khang che du ins labaina ta yebe ma gensim je tamje gi tondu sa ji to beje in goya res o tin Rani kechi ki chene si chi kebe ina ya ngay thangpo tela tongpa nyiki ne yahuji shi ya chi ta ti jaya tela ya goba khangi chi tu ane chene si kebe inbe chanju gu samla ya ngone thane ki chi lobjong ti chimpo yongda ya chi ta kanda tongpa nyi de chanju gu sam si yin chi lobjong yahuji maju na Rani kechi ki chene si sa ti chigo khurang chik ti chigo ale sadana chazan de yuksha daje chazan de yuksha kechi chungye ka la ti chigo la ya ane langa nga daya chigi o nizure duwaas di indu o taayang geji maanras. On vient de dire donc que Chanrezi donc peut être établi en dépendance donc de la vacuité, c'est-à-dire c'est sur la base de la vacuité donc que pourra être établi ou se manifester Chanrezi. Et lorsque l'on s'interroge du pourquoi finalement on a besoin ainsi de se transformer en Chanrezi ou on fait en sorte donc ainsi de s'adonner à ce type de méditation, on peut très bien répondre par exemple que c'est parce que l'on veut accroître la durée de notre existence, que l'on veut se préserver de maladies, que l'on veut avoir une vie plus facile, une vie plus florissante. C'est la raison que l'on peut invoquer. En aucun cas, c'est une raison valable, c'est une raison valide. La raison indispensable, la motivation, d'autres termes, indispensable pour se transformer, vouloir se transformer ainsi en une telle déité, c'est d'aspirer, donc par là même, à être bénéfique, donc à être bénéfique à l'ensemble des êtres, au nombre infini, enfin à l'infinité, pardon, des êtres. Et donc, il y a ces deux aspects. Il est indispensable pour pouvoir se transformer en Chanrezi d'avoir une compréhension, une connaissance excellente donc de la vacuité, donc de prime abord. Mais il est également indispensable que l'intention qui anime en fait cette transformation soit celle de Bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil, cette Bodhicitta, qui d'ailleurs émule l'étude en fait, stimule en fait
fait l'étude donc qui vise à appréhender ou à comprendre, mieux comprendre ou à comprendre pardon, la vacuité. À défaut de faire cela, même laissons de côté toute la sadhana, mais à défaut de faire cela, même simplement un seul mot, les premiers mots simplement qui disent je me transforme instantanément en la réactionnerie, etc., sont complètement dénués de sens. Si l'on regarde en fait combien finalement cette pratique de l'esprit d'éveil de Bodhicitta est étroitement intriquée et implicitement finalement indiquée dans une telle méditation, qu'est-ce que l'on vient de dire plutôt dans la visualisation? On vient de voir que les rayons de lumière émanent une infinité d'Arya Chenrezig, donc à leur extrémité, qui accomplissent les deux activités. On dit quelquefois les deux bienfaits. Donc quelquefois c'est simplement exprimé de cette manière-là, de façon concise. Quelquefois dans les textes c'est détaillé et il s'agit en fait, lorsqu'on parle des deux bienfaits, d'accomplir, d'adresser une multitude d'offrandes donc, au Bouddha, au Bodhisattva, aux Arya, d'un côté, et de l'autre, d'octroyer les bénédictions donc, à l'ensemble des êtres de manière à faire mûrir leur esprit. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui sous-tend finalement une telle action, c'est Bodhicitta, c'est la manifestation en fait, de l'esprit d'éveil qui se matérialise, en quelque sorte ici, par ces différentes activités effectuées à l'endroit des êtres. Donc, cette déité de la forme, donc, qui est Chenrezig ici, en d'autres termes, elle se manifeste en dépendance donc de la vacuité, mais c'est elle est mue en quelque sorte par l'esprit d'éveil, puisque ces activités qui sont ainsi effectuées donc par la déité de la forme préfigurent en quelque sorte le corps ensuite de forme d'un Bouddha, le Rupa Kaya d'un Bouddha. Nga sabat ndoi kadins namju lama khume ta nyamle bachu sungse yare nga sabat ndoi kadins do chogi tongban ki kota nginjung ko kota chanju sem korte lobjong puda chi chesha yena ane nga ki chi thwa chi shaye kha gomya la gomya chi yongzo lo te ane be nenga thikang ya dithwe chi yongres. Il est de coutume de dire en fait que la profondeur du tantra où le tantra doit sa profondeur au sutra, on dit littéralement en tibétain le tantra doit sa profondeur à la pointe en fait des sutras. C'est entendu, c'est grâce aux sutras que les tantras peuvent devenir une méthode profonde, et cela est le cas, c'est-à-dire que plus un esprit va pouvoir s'entraîner au renoncement, à l'esprit d'éveil, plus avoir une compréhension profonde de la vacuité, plus ensuite pourvue de sens finalement et puissante sera ensuite les visualisations qu'un tel esprit pourra effectuer, qu'il s'agisse de la déité, qu'il s'agisse du palais inestimable, etc. Jérôme Boutche, Songe Tigue Nanaya, Mande Teya, Tugue Pombote, Songra Dambrecha, Mabenons, Otene Sombre, Mande Teya, Sketch Shirashayers, All Shahe Kang Sopta Dende Dende Yores. Hi, cha, dinde dinde yor, chang san de, dinde yor, niba de, dinde dinde yor, dinde kanga shay yors. Yine ya, ngone, koa chi chitagi, nyambulia, ge tugu yota me. Oh, changju semi, jonga, tablo drugu yota me. Tigeti nangi nyamle, dambar shava, tigana, nanga til tugu das. Oh, dinde yinza, mantu tuya, chugi pongba, nyamle chiag pong dea. Oh, tikari chevresna, sunrab di. Damal ya, ini kerma sebab tinggi, ini lembaris,
mandu tege chege phongba ne songra dambar shawa mebe nongs ta tanda ngo do chena o lai shaye khan da or inge ke jumas ya yang ke mandu tege ane ko ke che shege chono ko shira shege yar da ta kyara nyamle chese de sinu ta ko dinde chege yar da ta nyamle chese de ko chiya kal ka bu chege yar o mandu tege chege phongya de karasna Peje nala she shabati nyamlen gutola ya keagi and menga de manya ba tigres. This way, Nikita. Mound the tega, chigi pumba, sunrap dambar shava, mebe nuns. Even if you study a lot and you understand a lot, but he, the person, then the time when I practice, he didn't know how to practice. So, means whatever he study, that study. He couldn't understand how to deal to the continuum. Dambarishava mebe nongs. De prendre les instructions. Sunra dambarishava mebe nongbares. Kyun tig chungbares. Ta sunra dambarishava gores. All si hai ku keva tenya. Tongi gombe tab ki toni yungu yoba. Chanjuk sem gombe toni yungu yoba. O kowe nyambo rugu yoba. Tongi zobe tab rugu yoba. Tigi changmalo. Any? Lama Tsongkhapa dit que bien que l'on ait beaucoup étudié, bien que l'on se soit donné donc à des études extrêmement vastes, extrêmement diversifiées, lorsque vient le moment en fait de pratiquer, si l'on est complètement déconcerté par la diversité, la multitude finalement de sujets et de sujets d'études, donc cela signifie finalement que l'on n'a pas su prendre ces instructions, qu'on n'a pas su s'approprier ces instructions, que l'on n'a pas su utiliser pour soi-même en fait ces instructions. Parce que ce qui est dit à travers cela, c'est que cette diversité d'études conduit à quoi ? Donc d'une façon essentielle, qu'on doit conduire à acquérir l'antidote à l'existence cyclique et doit concourir au développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Et donc ça, c'est un point extrêmement important donc, que souligne Lama Tsongkhapa. Gomgul hasu redans. Dingyu ngar kun la yetes. Samgyu chishimebe lembains. Ta gomgul har de pejir pabazo gangal yores. An dea ngar de pejir yores. Mani inar kaina yores. Ta ngone tane chuti tibachimbe chulia. Rotu matu. Tinkazati kawatu de dusna. Samgyu chishimebe lembains. Gomgul haji, papa mangchal dus, ta inya di kadam kome papa le chodam dangi yare, ta pejir choji pejir papa le chodam dangi yare, gomgul hasu redans, jingyu ngar kunlan du des. Every Tibetan have something to visualization deity, and also everybody have to recite a mantra, different type of mantra. But unfortunate, these people not real, how say, Samgyu chöshi mebe lemba yins. Inside, they don't have how say, real practice dhamma inside. Donc les maîtres Kadampa probablement ou maître Komatisha par exemple pour quelque part réprimander en fait ou secouer en tout cas un peu les Tibétains dit il ne manque pas de déité à pratiquer de déité à méditer il ne manque pas non plus de mantras à réciter et ils le font très souvent mais par contre malheureusement donc ou hélas ce qui leur fait défaut, ce qui leur manque, c'est finalement d'avoir intégré le sens du Mahayana en profondeur, d'avoir compris et de s'être approprié le sens du Mahayana. Ta ti jamjong ti kare lagu du slabaina. Gombe hatia chirobe hagome chirolai parale dus. Nga saya chirobalai dus. O hagome da nga saya yebe nangbe nga ba chasa mares. Ta Hagombe gumlu karre. Nasave salu karre saindu. Tongbani da chanju semgi sinsona. Nangbenga wa chagiova. Tongbani da chanju semgi masina. Nangbenga wa chagumeva. Oh, ti samno ti nanglogi. Idun tita nangadir das. Oh, ti
Qu'est-ce qu'implicitement finalement nous indique cet avertissement quelque part ou cette réprimande? Elle nous indique que méditer une déité, réciter des mantras, ça n'a strictement rien de spécifique au bouddhisme. Méditer une déité, d'autres spiritualités, des traditions non bouddhistes s'y adonnent également. Réciter des mantras, elles le font aussi. Et il n'y a strictement aucune spécificité bouddhiste là-dedans. Par contre, la manière de méditer, la manière d'accumuler ces récitations de mantras va faire la différence. C'est-à-dire que si la façon de méditer une déité ou d'accumuler des mantras s'ancre sur la compréhension de la vacuité et si elle est mue par l'esprit d'éveil, alors à ce moment-là, il y a réellement une pratique du tantra bouddhiste à ce moment-là. Et ce développement, donc cette compréhension de la vacuité, cette motivation donc de bodhicitta ne peuvent être engendrées qu'en dépendance des sutras. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici, donc à ma façon, donc implicitement, c'est qu'il y a un réel intérêt pour le tantra, mais que lorsque justement on veut s'adonner à la pratique tantrique, ne négligeons pas, en fait, adonnons-nous au chemin, donc enfin à la voie des sutras, et en d'autres termes, cherchons à mieux appréhender à la fois le vaste et le profond, c'est-à-dire ce qui relève de la vue, de la vacuité, et ce qui relève de la méthode. Donc j'en ai terminé avec ma digression, on va revenir en fait sur les étapes donc de la méditation. La déité donc de la forme maintenant pour venir à cette méditation permet en fait de faire mûrir l'esprit afin d'être en mesure d'actualiser ensuite le corps donc d'un Bouddha. Et c'est ainsi donc que les quatre premières méditations permettent en fait de faire mûrir l'esprit du pratiquant de façon actualisée respectivement donc l'esprit, la parole puis le corps d'un Bouddha. L'indissociabilité maintenant de ces trois aspects du corps, de la parole et de l'esprit va advenir donc avec la méditation suivante, celle de la déité des sceaux. Donc dans le contexte de la pratique du Kriya Tantra, donc lorsque l'on parle de sceau ici, donc il y en a trois. Il y a ces trois lignées que sont celles du Tathagata, celle du Lotus et celle du Vajra. Donc celle du Tathagata étant la plus élevée, est-ce que c'est important ou pas, je ne sais pas. Celle du Lotus est intermédiaire, celle du Vajra est inférieure. Donc. Donc le regarder, Rinpoche montre le mudra à faire pour le mudra de la famille du Tathagata. La description est donnée dans le grand exposé des étapes de la voie du Tantra, donc il me semble que ça ressemble à cela. Tathagata, Omsava Tathagata, Uwawai Sova, Omsava Tathagata, Uwawai Sova, Omsava Tathagata, Uwawai Sova. Et donc le fait d'apposer, de sceller en quelque sorte au moyen de ces sceaux se fait en appliquant donc ce geste-là, ce mudra particulier en relation avec les cinq endroits que sont le cœur, la gorge, la couronne crânienne et les deux l'épaule droite et gauche. Ta chenre sigi chenbe, pemer rigi, ane,
tamjat chayin, chajat chayin, doos chaja, bema kacha chaja. Zu tu chunta, tebuni, the number jar, and somal hamana pakeo, bema kacha water chap, or doosre. Donc ça, c'est le mudra de la famille du lotus. Donc comme vous voyez, vous liez les deux auriculaires, en fait, et vous, vous accolez les deux auriculaires, vous accolez les deux pouces, et en fait, les autres doigts, donc au milieu, forment comme les pétales épanouis d'un lotus. Et donc ce sceau, ce mudra, est apposé donc, aux cinq endroits comme précédemment. Donc. Ane tamja de chaja che yundu doji chaja che yins ta doji chaja kares na so lavan lavanol dod nolas kunin lavan dod nolas. Donc regardez maintenant le sceau donc de la famille du Vajra avec la main, c'est qui ça, la main droite, dans le dos de la main droite qui vient s'apposer contre la main gauche, lavan dod nolas contre le dos de la main gauche. Alors regardez qu'en vis-à-vis, les auriculaires et les touches, les pouces des mains opposées se touchent. Alors, il semble que ce ne soit pas spécifiquement stipulé dans les textes, mais qu'il soit nécessaire pour que le mudra soit complet, ensuite de fléchir en fait les doigts de chacune des mains. Et donc, on applique ce même mudra, ce même geste en regard des cinq endroits. Donc, pour... Et donc, c'est un mudra qui est assez, assez facile à faire finalement. Donc, à poser les mains l'une contre l'autre, à coller les deux doigts des extrémités et à fléchir les doigts. Oh, ta chak gas. Nandu, tizi gaya de la chak gas. Gabi chak gas, la gures. Stem de la gabi chak gas. Ce terme donc en tibétain, donc comme vous l'avez entendu, chagya, donc signifie ce terme qu'on rend par saut, comme autrefois Donc ce terme donc de chaga, particulièrement le terme de gya, donc signifie sceau en fait, comme on disait autrefois, un roi utilisait un sceau pour sceller en fait une parole, pour sceller en fait un engagement, en fait une promesse. Donc c'est ce qui repris ici, c'est la même notion qui est reprise ici, et on parlera ici donc de donc la gestuelle que l'on vient de voir, donc relative aux différentes familles, ça représente simplement le sens à interpréter, en fait, ce qu'on appelle le sens. En tout cas, c'est le sceau, donc de sens à interpréter, de sens interprétatif. Ce que signifie véritablement ce sceau, en fait, c'est que l'esprit, la parole, le corps qui viennent d'être donc portés à maturation deviennent indissociables. Et c'est ça, en fait, qui signifie le sceau de sens définitif, de sens certain. Et enfin, il y a la déité des signes ou du symbole, selon comment on veut le rendre, qui consiste en fait en le fait d'engendrer la fierté divine, donc d'être soi-même cette déité maintenant complètement achevée.
ngao nyame ngaje shaya tindi ji pheji re sange tele kunzo namje ngaje yungre thondam namje ngaje yungre o tire. Et donc cet orgueil divin qui s'élève donc en relation avec le fait de se percevoir donc soi-même comme ayant l'aspect de la déité mais étant par nature donc dénué d'existence propre, d'existence véritable. Et cet orgueil en fait s'élève autant en relation avec la déité absolue qu'avec la déité relative. Oh ya, ta tigi ane ta chagugi ta choge chingi tone ane. Donc pour ce qui est en fait de la pratique telle qu'elle est décrite dans un manuel donc de méditation pour une pratique donc qui relève du Kriya Tantra, la visualisation en fait s'achève telle qu'elle est décrite dans le texte s'achève là. Vous allez faire des progrès en tibétain, je crois. Donc,
ici, donc, ce qui est indiqué, c'est finalement l'origine du Kriya Tantra. Parce qu'on pourrait se dire, mais bon, les Tibétains sont assez friands donc, de ces pratiques du Kriya Tantra, mais finalement, on a peu de sources de d'où vient ou comment est arrivé, en fait, ces pratiques donc, du Tantra de l'action. Ces pratiques, en fait, on les retrouve dans le Kangyur. Elles ont été indiquées donc, par Vajradhara, donc le Bouddha sous sa forme donc, de Vajradhara. Et on retrouve, en fait, dans les trois textes donc, qui s'appellent Lekchup, on pourrait dire ce qui est parfaitement ou excellemment établi. Un autre texte qui s'appelle Samten Chima, donc en relation avec la concentration, et un autre texte qui s'appelle Sanwa Chigyu. Donc ces trois textes qui pourraient être le tantra externe ou le continuum externe secret, donc on pourrait rendre. Ces trois textes donc, se retrouvent dans le Kangyur et donc consiste en les propos même donc du Bouddha Vajradhara donc lorsqu'il a exposé le Kriya Tantra. Et ensuite pour ce qui est des différents maîtres, il y a deux érudits incontestables ou deux yogis incontestables donc en ce qui concerne donc le Kriya Tantra, que sont ces deux maîtres donc Sangye Sanwa et Chanchup Chok, qui tous deux en fait ont expliqué donc fait des commentaires en fait de ces trois textes donc du tantra, donc on le trouve dans le Kangyur. À ce propos, par exemple, lorsque l'on pratique les différentes sadhanas, après avoir effectué donc la méditation en relation avec ces six déités, vient souvent le moment où sont invités les êtres de sagesse qui sont intégrés, par exemple, dans les êtres d'engagement, et ensuite sont invités les déités d'initiation. C'est quelque chose qu'il est possible de faire, mais ces deux érudits ne l'ont jamais stipulé dans leurs commentaires, de sorte que ce n'est pas quelque chose qu'il est indispensable de faire. Ce n'est pas une mauvaise chose, on peut le faire, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Bodo, Buddha Goya do. That ne, or Dagishila Showa said, the Tsarche. That Shinji Shila Showa said, Dagi, Dada Semta, Shila Shoals, and something she met see digi. That Shila Shoals said, Dada Shangi Yubinane, Shangi Shila Shoals said, Karashana, Dungire. And Omega Tsunandu, Pema Donguyo, Pema Dongbuting do, and then Dahikingua, Nimakingo Kaina Titing do, and Gombelhati. Alors, on en a terminé donc avec la méditation donc des six déités qu'on relève en fait, qui se produit donc lorsque l'on s'adonne à l'absorption en relation avec la base subjective, c'est-à-dire lorsqu'on s'adonne en d'autres termes à l'autogénération. Ça, c'était la première des quatre branches de la récitation. La deuxième, c'est cette absorption qui est effectuée en dépendance de la base objectale. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est? C'est en dépendance de la génération frontale. Cette génération frontale va être ainsi visualisée, qu'initialement, on visualise un océan de lait sur lequel donc s'épanouit ou apparaît un lotus au centre duquel se trouve un disque de lune, et c'est sur ce disque de lune qu'apparaît la déité. Donc, c'est ce que l'on entend ici par la génération frontale ou l'absorption donc effectuée en dépendance de la base objectale. Ta data sem sagta dai shila showa da sem gi shila showa sati ane tu gi ngo tu gar da we gi ngo go mya ti sem gi shila showa spena dün de ya chen si yuna ti tu gar da we gi ngo go mya rani chen re su sa ba de ya da we gi ngo ane sel ta bya ri sungi be o ti ane sem gi shila showa s. Donc voilà pour la deuxième absorption, ou la deuxième branche en tout cas de la récitation. La troisième et quatrième donc se font en dépendance de la base de l'esprit et de la base du son. Celle qui consiste, l'absorption donc qui se fait en dépendance de la base de l'esprit, visualise ici l'esprit qui, à la fois de la génération frontale et de l'autogénération, l'esprit qui se matérialise sous l'aspect du disque de lune. Et ce disque de lune prend l'aspect donc d'un disque de lune, mais en essence donc est de la nature de l'esprit de la génération frontale et de l'autogénération. Ta da danse ta da la chose singe ane o ta ti da he kyung go tin du ane nga gi yi gi oman pe me hun sa ri na re om dar tu dar ri na re ta ka la kang da kom yi ne ya ti ngang tin ane ko ya ti re.
l'absorption maintenant qui se fait en relation avec la base du son, donc se fait en dépendance donc du son émis par les syllabes du mantra. Donc si on continue avec Chenrezi, donc du mantra du Mani, donc qui se trouve à la périphérie, donc à la circonférence du disque de lune, donc qui est en nature notre esprit. Et ces syllabes, donc on les entend résonner de leur son. Et encore une fois, on voit cette indissociabilité donc du corps, de la parole et de l'esprit, en ce sens que le disque de lune est en essence notre, enfin, est en essence l'esprit de la déité. Le son émis par les syllabes donc du mantra consistant en la parole, en fait, participe de la parole de la déité, et le fait de se visualiser donc soi-même sous l'aspect complet de la déité, sous les traits de la déité, participe de la du corps. Donc de la déité. De la même façon que on s'alimente en prenant différentes nourritures, on mange en fait différentes nourritures, qui a des couleurs et des aspects qui sont très différents, mais qu'on a tendance toujours à ajouter du sel dans tout ce qu'on met, en fait, dans toutes les nourritures que l'on mange finalement. De la même façon ici, malgré les différents types de visualisation, il importe en fait de continuellement, pour dire saupoudrer en d'autres termes ici, il importe de ramener continuellement en notre esprit le fait que l'apparence donc de la déité ou de ce qui est visualisé est induit en fait par la certitude acquise de la vacuité, c'est-à-dire qu'il y a une conviction, une certitude de la vacuité, laquelle va permettre la manifestation donc de l'apparence. Et ensuite, en relation avec cette apparence qui est manifestée, il s'agira de reconnaître l'absence d'existence intrinsèque de cette apparence. Et c'est ce qu'il convient, c'est ce qu'il faut garder continuellement à l'esprit au fur et à mesure de chacune des étapes. Pour ce qui est ensuite de la récitation du mantra, des mantras, il y a deux types grossièrement de récitation. Il y a une récitation verbale et une récitation mentale. Donc la récitation verbale qui précède la récitation mentale. Donc
Il y a ce qu'on appelle également la récitation murmurée ou chuchotée, donc qui de fait n'est pas audible de l'entourage, et qui est une méditation qui va consister à visualiser donc un mouvement d'émanation et un mouvement d'émanation et de résorption du mantra. Donc, on visualise donc qu'au cœur de la génération frontale, il y a la génération frontale et l'autogénération. Au cœur de la génération frontale, comme de l'autogénération, il y a un disque de lune sur lequel se trouve à la périphérie les syllabes du mantra. Et on visualise donc dans le décours de cette récitation des mantras, donc des rosaires de mantras ou des guirlandes de mantras s'échappent donc de la génération frontale par sa bouche et viennent s'absorber dans la nôtre et se placer sur le disque de lune dans notre cœur. Et on fait tourner en fait ce mantra et ensuite on peut à nouveau le refaire ressortir et revenir donc dans le cœur de la génération frontale avec des mouvements ainsi donc d'émanation donc ou de résorption. Lors de la récitation également, on peut s'adonner à la pratique de la respiration du vase, donc dans le décours de laquelle on va inhaler donc, et amener, donc visualiser la respiration. Donc les vents, on va amener les vents, descendre en fait notre inspiration, descendre notre inspiration vers le nombril. On va déglutir donc, et ensuite on va contracter les sphincters de manière à faire remonter l'air qui se trouve dans la partie sous-jacente donc, vers le nombril. Faire comme d'où ce terme de vase en fait un espace clos. Période durant laquelle bien sûr on ne va pas procéder à une récitation verbale, mais on va simplement à ce moment-là on va se centrer donc sur la visualisation et on peut faire différentes choses. On peut visualiser par exemple que le disque de lune qui se trouve donc avec la syllabe shri et la guirlande de mantra donc qui se trouve à la périphérie, donc cela au cœur de la génération frontale vient à l'intérieur de nous qui sommes l'autogénération. On peut visualiser à un autre moment que c'est celle qui se trouve ce disque de lune donc et cette syllabe et cette guirlande de mantra qui se trouve au cœur de la génération frontale qui sont au contraire réabsorbées, donc qui vont se dissoudre dans le cœur de la génération frontale. Est-ce que l'on fait en fait dans le décours de cette respiration du vase, on va en fait simplement ici lire les syllabes du mantra. Donc bien sûr la lecture sera différente selon qu'on se situe en relation avec la génération frontale ou en relation avec soi-même, puisque les lettres donc seront placées sensiblement différemment. Il s'agit donc d'une récitation mentale ici et une récitation mentale qui se fait en relation avec la forme, donc enfin sous-entendu avec les syllabes, avec l'aspect des syllabes et non pas
le son émané par dont résonnent les syllabes. Et une fois donc que l'on est un petit peu inconfortable, on relâche alors les sphincters, on reprend une inspiration, on se repose un petit peu et quelques instants après on peut recommencer donc cette respiration du vase. Oh, tati, ane yang yang gomiati, zo shine duya, ta tap zo lmini te chigwaris, kariris na, namshi ki shombe lungti pa jingje, tewale ya jingje, lungching na, sem, ta kanda tati chilo lo mando na, ene, tan shenye ko chilo dotu umaris gore, tinde inza, lungti ching yundu, sem rawang du yungres, sem rawang du yundu, mikbal tsechud nel pingres, o tinde sungu yare. Tout le propos en fait de cette pratique, de cette visualisation ici, enfin de cette pratique même, consiste à développer le calme mental. Comment cela se produit, c'est qu'en se faisant, en fait, on retient les vents, donc l'énergie qui est la monture de l'esprit ou des consciences en fait. Et c'est un petit peu comme un cheval que l'on maintiendrait, enfin fermement en fait, dont on tiendrait les rênes. Le cavalier peut pas partir au galop. En quelque sorte, si le cheval est retenu. Donc, de la même façon, si les vents sont contenus par le principe de cette respiration, par le biais de cette respiration du vase, les consciences, en fait, qui chevauchent donc cette énergie, ne pourront plus, enfin, se disperseront beaucoup moins volontiers. Et cela concourt donc au développement du calme mental. Oh, ta, déjà le tube, samden de la, déjà y en la si, samden, singing, liu de tsarje. Ta, déjà le matube, samden, sayati, ta, liu de la yundu. Oh, ta tagi gom shabegi, tanda randa dungele ya, dawe kingo dunga yigdu, sij lo deati, ta yig deyan, pa yuk shaje. Chilog suju kutu tsu duje. Ta dawa ngantin samla mi. Dawa tele, lung pumjen sung. Ta lung pumjen sung e gone, ane lagusawa tsu duje. Ta dawa ngantin samla mi. Dawa ngantin tele, ane Weser mewe chowatabuchi chungje, ane tigi susi nyemba nashingi, ane omani bemehu dandan chakwachi. Ta susi dango ma imba, dandan di pigi mejitigi, ane dandan chi imbe surchigi. O tuk scheje, ane tela mikbala tsechitu ne gomea tela, menegi sometimes. Kap titu lula detun barwa, ane chi lubu detan, lula chwe geya tan, tindegi ta, chi ngudu, Voici donc ce qui était à dire à propos donc de la concentration avec récitation. Donc, et comprenez ces quatre branches de la récitation. Regardons maintenant donc la concentration, ce qui est appelé la concentration sans répétition. Laquelle concentration sans répétition va comprendre les deux concentrations qui sont celles qui demeurent dans le feu puis ensuite celle qui demeurera dans le son. À ce stade ici, donc de la visualisation, on est soi-même généré sous l'aspect de la déité, donc nous sommes l'autogénération, et la génération frontale donc se trouve en face de nous. À ce stade, on va résorber l'aspect extérieur donc de la déité, du corps de la déité, que Donc à ce stade, donc on visualise que les traits donc de soi-même, les traits de soi-même sous l'aspect de la déité fondent en fait, se dissolvent, et on ne va plus en fait centrer son esprit que sur le disque de lune, donc qui se trouvait, ce qui correspondait à notre cœur, que le disque de lune, et dessus on visualise une flamme, donc comme dit la flamme d'une lampe à beurre par exemple, et à l'intérieur de cette flamme, on entend émis le son
son du mantra. Donc le son du mani, sans que ce soit nous-mêmes qui ne le prononcions, c'est le son résonne en fait de lui-même. Et l'on fait cela donc conjointement à la pratique de la respiration du vase, donc en contenant également la respiration, et l'on place notre esprit donc focalisé en un point, simplement donc sur le son du mantra émis à l'intérieur de cette flamme qui se trouve sur le disque de lune, donc à notre cœur. Il est dit que comme signe favorable, donc d'évolution favorable de cette pratique, le yogi est moins sensible à la faim, à la soif d'un côté, et qu'intérieurement il éprouve une grande félicité, un sentiment de chaleur qui signe donc l'obtention de réalisation commune ou d'acquisition commune. Tati, tanda kanda mene gomsati, dungi tsu du yu garo, me garo, gomsati, rani, rani larke vatilia, nalo gomiati, tendere karasna, lula dedu geva sa, tumo bar saati, tumi tanya de tagamarete, tendi dedu ge saati, chulo la pami vina, cocorsare, o condochore, mutunchore, tende in the nalke, gomayimate, sevore, tati nechi tachepche. Tati nechine. Dave kingo said that Tia Mimi Bacheja, Dratsamla, Dratsamliata, Mipatene, and Yas Sozol Damje, Lumpumje, Sun Shimbegane, and Dawaya Mimiba, Dratsamlamik, Taco, Tangle High Good the Suda Chiyoje, that High Good Sudu, that Dawaya Sudu, that Dratsamlia mean, or got Midden Tarchis on, or T Gantelia, any G things in Telenesh Mangane, and it. Dandalia, Mikwatebe, a tindig number chayindu, and a cup to dulia, chagu lugi, and a shinet to do toguye, chevre. La Onisha, Tuja Chomachita, Yungre, cup to do, and a shinet toguye, cher. Dazam Lami with dingins in the Yingsha, Tuja Chomachi, Gore, Namjundojo, and the Chevy Shinek, Senyatella, Shinjang Devis, Simbaji, Gore. Mibal Zeji de Neve, Lusim Shinjang Devesimbe, Tingins in Yisha, Tujakonaji Gore, Cotti Yimbre, O Tati, and Cop to do Yungre Chapre. En ce qui concerne donc cette concentration donc qui demeure dans le feu ici, elle est faite donc la visualisation est effectuée conjointement donc à la respiration du vase ou en pratique de rétention en fait, ce qu'on appelle la vitalité et effort, c'est la manière littérale de le dire. Ici en fait, ce qui vient de se produire, c'est qu'il y a en fait on rend l'objet d'observation de plus en plus subtil. En ce sens qu'initialement c'était se visualiser soi-même sous la forme complète de la déité, laquelle vient de se dissoudre et la concentration ne s'est portée finalement que sur le disque de lune, la flamme qui se trouve sur ce disque de lune et le son qui résonne en fait à l'intérieur de cette flamme. Tel était l'objet en fait de concentration, d'observation pardon, de la concentration qui demeure dans le feu. Maintenant l'objet se raffine, on peut dire encore davantage, devient de plus en plus subtil, puisqu'à présent on ne pense même plus, on ne visualise même plus, on ne porte plus l'attention sur le disque de lune ni sur la flamme. Le seul objet en fait de la concentration est simplement la résonance en fait du mantra. C'est la seule chose sur laquelle l'esprit reste concentré en un point. Et il est dit qu'en vertu de cela, donc selon la méthode donc du tantra de l'action, c'est grâce à cela que l'on parvient donc à actualiser le calme mental. C'est-à-dire dans le décours donc d'une telle pratique, le yogi va acquérir souplesse physique et maniabilité mentale et qui entraîne donc les manifestations donc de félicité donc physique et mentale. Donc il signe ensuite l'obtention du calme mental. Et c'est ainsi donc que est menée donc toute la pratique de ce qu'on appelle le yoga avec signe, donc comprenant donc à la fois ce que l'on avait vu comme les concentrations avec répétition, et maintenant ces concentrations sans répétition qui consistent en ces deux types de concentration qui demeurent dans le feu et dans le son. Tanda dratsam la mik deva ti gande, ene yangyo ta tingi rangshin mebe, ten tenan bebe gone, ene dratiyan mimi be, ene ta tongjan chayachi, pechi sungu yore, o ti, ene ta lu di lugi, ene ta hantong gomiyagi,
net sunguyore. Et donc, il reste maintenant à cette pratique, donc à s'adonner au yoga sans signe, qui consiste en fait à développer la concentration qui octroie la libération à la fin du son. Cette visualisation ici prolonge donc la précédente, part en fait de cet objet donc extrêmement subtil, observé donc par la concentration qui était le son en fait du mantra, et cette concentration maintenant va arriver à faire en quelque sorte disparaître le son même du mantra pour ne garder que l'absence d'existence intrinsèque du son de ce mantra. Donc, en d'autres termes, ce qui est perçu, donc l'apparence qui surgit en tout cas, est celle du vide, puisqu'en fait il n'y a même plus de son donc à visualiser. C'est simplement l'absence d'existence intrinsèque du son. Et selon donc la pratique du tantra de l'action, c'est ainsi que va être développée, donc réalisée la vue supérieure, donc qui observe la vacuité. Ici, en fait, donc, il y a ce à quoi on assiste, c'est à un caractère de plus en plus subtil, finalement, de l'objet d'observation, donc qui est utilisé comme base, en fait, de réalisation de la vacuité. Parce que, du point de vue du développement, finalement, de la vue ou de la réalisation de la vue supérieure, comme d'ailleurs en amont, comme du point de vue de l'obtention du calme mental, le processus est le même que ce qu'il est décrit dans les étapes de la voie. La différence ou la spécificité ici va être la subtilité de l'objet qui va être observé. Il me semble qu'il y a une importance à ce niveau-là. La vacuité donc qui est réalisée donc qui est l'objet d'observation donc de la vue supérieure, parce que la vue supérieure qui est réalisée, c'est pas n'importe quelle vue supérieure, mais la vue supérieure qui observe la vacuité, elle est réalisée en dépendance donc selon l'approche donc des madhyamika prasangika, des conséquentialistes, en dépendance de la réfutation, de la récusation de l'objet de réfutation qui est l'existence véritable ou l'existence
l'existence intrinsèque, l'existence de son propre côté. La particularité du Kriya Tantra est d'apprendre un objet qui est extrêmement subtil. Si vous regardez en fait le processus, initialement, c'est de la vacuité même qui émane en fait chacun des aspects de ce qui consistera en l'autogénération, c'est-à-dire qu'on va de quelque chose d'extrêmement subtil à quelque chose qui devient de plus en plus grossier au fur et à mesure de la méditation des six déités. Et maintenant, lorsque l'on procède à ces concentrations sans répétition, que ce soit la concentration qui demeure dans le feu et la concentration qui demeure dans le son, on revient au contraire à quelque chose qui part de quelque chose de grossier à qui revient à quelque chose de plus en plus subtil. Et il me semble là qu'il y a un point important. Si j'ai souhaité faire, enfin, ou m'étendre si longuement sur la pratique du tantra de l'action, donc jusqu'à présent, c'est en relation justement avec cette pratique du nyune, donc de chenrezig, donc laquelle vous vous a donné. Et il me semblait intéressant de pouvoir en fait regarder de plus près le long mantra de chenrezig, qui est quelque chose d'extrêmement précieux, et de vous amener à voir comment en fait au sein de ce long mantra, on retrouve en fait l'exposition. Présentation du résultat, exposition, l'exposé, on retrouve en fait l'exposé des chemins, donc des différentes étapes, et également comment dans ce long mantra sont exposées les réalisations, les acquisitions, donc obtenir. Donc vous avez bien tous la petite bandelette sur laquelle il y a le long mantra, c'est au fond de la gomba. En fait, ce que je vais faire à travers l'explication de ce mantra, c'est finalement un condensé, une synthèse de tout ce qui a été dit donc, depuis hier sur le Kriya Tantra. Ce qui est exposé donc de prime abord dans le mantra, ce sont les qualités en fait du résultat. Et si l'on regarde donc le tout début de ce mantra, il dit Namorana Chayaya, donc vous l'avez, qui dit je me prosterne devant les trois joyaux. Donc il rend hommage ici en fait, aux qualités du refuge causal. Ensuite, la partie suivante, donc, qui va de Nama Arya jusqu'à Tathagataya, en fait, cette partie-là signifie je me prosterne devant le Tathagata, l'Arya, l'océan de sagesse, Vairochana, le monarque pleinement manifesté. Et ce faisant, en fait, l'hommage ici, en fait, on s'incline devant les caractéristiques, devant des qualités particulières au propre. Oh.
Donc la section suivante, donc qui va de Nama Salwa Tathagatabe jusqu'à Bouddhépé, signifie je me prosterne devant les Tathagata, les Arhats, les Bouddhas parfaitement accomplis. On retrouve donc ce terme donc de Tathagata. Il y a ici ce terme de Bouddha. Si l'on regarde ce terme en sanskrit, donc de Bouddha, il est constitué donc de deux aspects, de deux syllabes, qui l'une signifie s'éveiller, on peut dire sortir du sommeil, en fait, sortir de, oui, une torpeur, du sommeil, et l'autre signifie l'épanouissement, comme un lotus qui s'épanouit, en fait, l'épanouissement. Mm-hmm. Ta. Sang ye sa chi ti gi sang ju ji ye ne tang bo ne sang sang ba ma yin ba su su nyam le chi gi to gi sang ju ji ye ne ta kyen pang ba kyen tha ba ha su su tang bo ne yen de ge ge ba chi men ba su su tap shi gi nyam le chi gi to ne yen de sar du ge ba ani shi ne ge ba yin ba ma ge ba ji ge ba che ba yin ba o ti ta ba rang jung gi ani kon jo ma yin ba. Ce terme donc de sangye que l'on retrouve donc en tibétain signifie donc pour la première partie que c'est à la faveur en fait d'une pratique, à la faveur d'une application que l'on peut arriver à se débarrasser de ses voiles, que l'on peut arriver à se débarrasser de ses fautes, de ses méfaits, à s'en dissocier. De notre côté, cela montre que également les qualités n'ont pas été toujours là, n'ont pas été toujours présentes ou de suite présentes. C'est ce qu'indique la deuxième partie du terme, qui signifie que ces qualités, celles déjà présentes ont pu être développées et celles qui étaient absentes ont pu être acquises pour être ensuite développées. Cela montre en fait que cet état n'est pas permanent, n'a pas toujours existé ainsi. Get to at the switch abresna or Nangan Mudu Tobar das sort of mimba Lamgit demba yende Gombe topki Tene Gobe demba on the chabre satchi or the Golamgi yendendi Tinde inza San get to at the ya Chu conjo nubare Coal a trot to at the ya Chu conjo nubare Tinde indu conjo sunganane Chu conjo de Cap mure sag Nangatia. Ensuite, sur la base de ce terme, donc à nouveau de sangye, on se demande, mais qu'est-ce qui peut se purifier ainsi donc, qu'est-ce qui peut purifier ou qu'est-ce qui peut épanouir donc, ensuite, ou faire croître les qualités ce sont les différentes justement caractéristiques, les différentes qualités de la vérité du chemin. Et ce sont les qualités en fait de la vérité de la cessation. Donc qui tous deux en fait consistent en le joyau du dharma. Et c'est en ce sens donc, et on le trouve même au cœur donc de ce terme de sangye, c'est en ce sens que la vérité du dharma constitue la protection véritable, le refuge à part entière. Mmh. Oh, t'es indé. Tishinshi ba yindan karre, jachom dan karre, sangye dan karre, yang tabar zob dan karre. Tuzo ganga, jibun namshagi, yende digedi, shimbala, dojo gnyamlen ganga, tenten lobjon chego ajres. Tandedi. Namasawa tataka de be, arahat de be, samya sambu de be, sagi, tsik, tegachi olaya, arahat yindan kandre res. Samya sambu de be yindan karre res, keja tijon, dojogi.
Et lorsque l'on entend en fait ces différents épithètes ou qualificatifs, que ce soit donc de Tathagata, donc ce ainsi aller, d'Arhat, de destructeur de l'ennemi, ou encore de Bouddha parfaitement accompli, donc lorsque sont ainsi exprimées finalement les qualités résultantes, la question immédiate qui s'ensuit de se dire comment obtenir un tel résultat, comment parvenir à un tel résultat, et cela est impossible à défaut de s'entraîner donc selon le système des sutras. Quran kanla kanzam ge palam ge toba nye ye samaje ge quran ge dingbu ye de bachi ane parjin te ba da dwas delhi to school parjin te ba da dwas ngara lore lore lobjong chigi chi nga maru maru mar du dos ka lavres kosong ge 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 maru je wa kare kojong lobjong quran ta quran pakwa yin sam sam mampo yo ro wasro wa ene de katsu jona kan de He feel his high realization. Yes. He attained Arahat. Umarete Arya. Arya path. Arya path. Then when he study, then we know the process of that. Then he say, oh, my realization go down and down and down. How he understand it? Where is level? What in the level is? Et je vais vous rapporter donc l'histoire d'un étudiant donc qui est venu à Dharamsala étudier à l'école de dialectique et qui lorsqu'il est arrivé donc était assez confiant en lui-même et considérait qu'il avait certaines réalisations était parvenu déjà à l'état d'un être supérieur à l'état d'Arya et il a commencé à étudier et étudier notamment les perfections donc Paramita et s'est rendu compte petit à petit de là où il en était et il a fait part de Rinpoche que lorsqu'il était arrivé il pensait être arrivé à cet état d'Arya mais qu'au fil du temps en fait ses réalisations fondaient comme peau de chagrin finalement et qu'il ne lui restait plus rien donc il a enfin réalisé le niveau où il se trouvait véritablement. Okay. Nama arya awa lokuti shoraya, bodhisattoya, maa satoya, maa karunikaya. Saya tigi, ene karilagudusna, janju semba, semba chembo, tuji chembo, tandemba, papa jenresi onjula cha cha loos. Ta jenresi singinti, ngedoengi jenresi kandere, tangdoengi jenresi kandere, ti desheti, dinani kyagiyores. La section suivante donc du mantra qui va de Nama Arya Avalokite jusqu'à Mahakarunikaya signifie je me prosterne devant le Bodhisattva Mahasattva doté de la grande compassion le Seigneur Arya Avalokiteshvara et apparaît donc ici ce terme donc d'Avalokiteshvara et donc il faudra voir qu'est-ce que l'on entend par l'Avalokiteshvara de sens définitif l'Avalokiteshvara dans le sens d'une matière à interprétation. Hein? Ninja chimbu tsar cheva. Chanju sengi si cheva le trubach gores, neding jeresidi, tindich gores, dinza, makaru nigaya, bodhisattva yasne, ko bodhisattva chigo lamidoya, tigan makaru singiji, tigan shu yabdua, or tinanga chambu imbres. Ici, donc, ce sens définitif d'Avalokiteshvara, on va le retrouver en fait par ce qui est indiqué ici, doté de la grande compassion. Ce n'est pas n'importe quel être, ce n'est pas sur n'importe quel. T'es-tu dit quand tu dis Ninja Chenpo Tandempa, dit Ma Koronikaya? Bodhisattva yasengi, tigan de doua, chanju semba sengi. Mahasattva yasengi, lapsadu. Ta, tigan de doua, chanju semba sengi. Ya tiga de makaru nega ningje chimbo tsawa chebal chungu gres ye anjo chi sungu dwa o dinne chimbo res shu et pour en fait le mantra donc le sens n'est pas le même en français mais en fait on retrouve doté de la grande compassion ça correspond à Mahakarunikaya en fait et c'est quelque chose qui est encore ajouté finalement à cette partie du mantra on pourrait très bien dire que Bodhisattva par exemple le grand être se suffirait mais non ceci est rajouté ce qui signifie encore ce qui donne toute l'importance en fait à ce qu'est ce sens définitif donc d'Avalokiteshvara. Gombuludu, Umarinje, Tuenala, Gombuludu, Munetanegi, Nagin Yamle, Tombo Pebre,
gom namba sanje be tikba chembe chugi nyamne ne jo ba chembure re de kong umar jen chwe na la ane be de sanje gi komba top denye ji na o kya nga sa hap gom as titi ma shi dan do jo yin za ma su yin si gre yin na dan do jo la la me ba de mare dan dan ga ran shi ra ni bu na le jere si da shari fu ni ka me sung du wa jere si ji sha du ya du wa o ha ji du ya du wa o ndu de kong tu du ga ru sung du su na Dani Tane Jitendri Lame Changju Top Dena Tizawa Changju Sem Rwangabo Tartenta Chonde Tube Ninjeta Nilamete Yishila Sen Tik Tindeji Tirita Sen Gabulia Tusung was Tishujitas Ne Dinde Lagius Lame Changju Sanji Yukomba Top Dugu Mena Nizu Kagare Kanakar Gongina Gomes Sanje ji kumbang top gugu yueba yinas. Da? Danyi tanen jikdende lame che soso yinare. Din zambulin dinana. Sanje ji kumbang top gugu nyeji yueba yinas. Gom jaya karresi na. Changju gu sem ri gyabo nashin tembuch gugu resi. Tata ri suma chebe sem je sangmala kyab tuyage nyingje ji gugu resi. Di zawati. Chok tamjele kyab tuyagi nyingje chikgo gres. Ani da dagbe ta da chebe ta nyi la minebe. Ani bete da jege ta nyi da chabegi ume lam yangtabe tawa chikgo gres. O di sumbo ti ta nyamlenge zore da sije kongu domdo chumbo te gyab duwa. Si l'on reprend un être donc comme Nagarjuna donc dans, qui était en fait un très grand érudit qui avait une très grande maîtrise du tantra de nombreuses réalisations donc issues de la pratique tantrique dans la précieuse guirlande donc quels sont les conseils qu'il donne ce n'est pas de méditer telle déité ce n'est pas de réciter tel et tel mantra et pourtant c'est pas ce qui manquait le conseil qu'il donne c'est si l'on aspire à parvenir à la bouddhéité il est indispensable de pouvoir de développer l'esprit d'éveil. Il est indispensable en amont d'engendrer la grande compassion. C'est souvent quelque chose que je dis aux gens qui viennent me voir. Alors, si vous ne voulez pas développer, parvenir à la bouddhéité, vous pouvez méditer n'importe quoi, ça n'a pas vraiment d'importance, peu importe. Mais si vous aspirez à parvenir à l'état de Bouddha, alors il vous faut arriver à développer un esprit d'éveil qui soit aussi immuable, aussi inébranlable qu'une montagne. Il vous faut arriver à éprouver de la compassion à l'égard de l'ensemble des êtres infinis, sans la moindre exception. Et il vous faut arriver à développer, à engendrer cette vue médiane, en fait, qui s'est préservée donc des deux extrêmes du nihilisme et de la réification. À défaut d'avoir développé ces trois aspects-là, il est impossible que vous y parveniez, que vous parveniez à la bouddhéité. Mahakarus na ingje chumbu nyamne chaya. Ta buddhisato ya, mahasato ya sidi yangyo chanju semba, semba chumbu. Chanju semba, semba chumbu sin, chanju semba tigande, yangyo semba chumbu jikla ya. Jikde, jik jenante, susi kyo da pakwe keche jik yendo kaburu de, semba chumbu sin, sherab chodan chebe, ane tapshik nyamne ngi tokpa tembu yodeba tela, semba chumbu tende ingire. O, tinde indu, dinala, yang ta be ta nga ba chen te teng du wa ten de yin du ta de go mu lu du sung xia ba de nyam leng zo chen ne chen re si du gu le sa ji ten de re. Et s'il reprend dans cette section de ce long mantra, il fait allusion donc au terme de bodhisattva, il fait allusion donc à la grande compassion et il y a cette notion de mahasattva. Donc la grande compassion est l'élément, l'un des trois éléments dont Nagarjuna, donc auquel Nagarjuna faisait allusion pour parvenir à la bouddhéité. L'état de bodhisattva donc fait allusion donc à la présence inébranlable ici de l'esprit d'éveil. Et lorsqu'on regarde ce terme de mahasattva que l'on rend quelquefois par grand être en français,
ce grand être ici est quelque chose qui manifestement fait référence, fait la distinction entre ce qu'est un être ordinaire et un être supérieur, d'autres termes un arya. Et lorsque l'on fait allusion à cela, cela implique, donc lorsque l'on parle d'un arya, d'un être supérieur, c'est un être qui est développé la vue juste ou la vue correcte. Donc on retrouve en fait ces trois points, donc tels que les mentionnés Nagarjuna dans la précieuse guirlande, et c'est en vertu donc de la pratique de ces trois aspects que l'état alors d'Avalokiteshvara est possible. Et donc du coup c'est ce qui qualifie l'état lui-même, l'état d'Avalokiteshvara lui-même. Oh, ta tête vu yendengon de chebe, ji nyamlen tarchimbe, cheren sida sangye gyo kompanti seyati tipatu ane divi yendengi chati che. Donc makaru negayas. Ta tête vu gi yendeng Donc, on voit ainsi que la première section donc, de ce long mantra, donc, qui va de Namoratnachayaya jusqu'à ce que l'on vient de voir, Mahakarunikaya, évoque en fait, font référence aux qualités de l'état résultant, en fait, aux qualités du résultat, c'est-à-dire de l'état de Bouddha. Maintenant, la deuxième section va nous montrer comment parvenir à ces qualités, comment actualiser ou développer de telles qualités, en d'autres termes, à partir de Tayata, va être exposé donc, le chemin, donc la manière de le processus. Ta nyamlen garche gorsna senje gi nyamlen da cheme gi nyamlen ni re senje gi na la dejol te ba dejol ma de ni gi na dejol te ba re tinde yindu dejol te ba samden si thangbo ta da gi si ten gi ores. Et si l'on se souvient bien, donc la manière de parvenir à cet état, donc par exemple de celui d'Avalokiteshvara, c'est en suivant, donc en s'adonnant à la pratique de yoga, le yoga avec signe, puis le yoga sans signe. Dans la pratique du yoga avec signe, donc d'abord de s'adonner à la concentration avec répétition, donc aux quatre branches de la récitation, en particulier d'abord à la première, l'absorption qui est effectuée en dépendance de la base subjective, donc de l'autogénération. Mmh. Teyata sana didate dara dara sana zimba zimbas ta kare zimba sengede tongbela nenjo tu zimba ta daila nenjo tu zimba o te tengi tu was tongbela ta daila dara dara sate daila tongba da yigi hatuti Donc le terme de Tayata signifie ainsi ou il en est ainsi, c'est-à-dire c'est de cette façon, c'est notre manière de le rendre. Et ensuite vient cette répétition donc, du terme dara, dara qui signifie concevoir ou saisir, si on préfère. Et ici, qu'est-ce qui est conçu? Cela fait référence donc aux deux premières déités, donc à la déité ultime du vide et la déité du son. C'est-à-dire, ce qui est conçu, c'est l'absence d'existence intrinsèque, donc de soi-même dans un premier temps, correspondant à la déité du vide, et l'absence d'existence intrinsèque ensuite ou l'incité, si l'on veut. Du son donc qui est émis donc correspondant à la déité du son. Ta diri diri sag diri ni botigi sunwa sunwa nzimba da sunwa ni kebar shigi do sunwa sunwa ta kare sunwa resna o dandan di igila eno loyu tu sunwa ane sugila loyu tu sunwa. Ensuite, il y a la répétition donc de diri. Donc, le terme diri signifie donc autant le terme de dara signifie concevoir la saisie, c'est-à-dire du point de vue de la conscience qui appréhende, autant diri signifie ce qui est conçu, ce qui est saisi, ce qui est appréhendé. Et ici, qu'est-ce qui est appréhendé? C'est les deux déités suivantes, à savoir la déité des syllabes et la déité de la forme. Ta kare temba resna kutu ngo yerme gi chaja temba ta ane ngaje temba o ti indu ane dandan de chaje la da chemela
Ensuite, il y a la répétition donc, du terme duru. Duru, donc, qui ici signifie la mémoire, en fait, le fait de se souvenir, donc de ramener à l'esprit. Et ramener quoi, donc, ou se souvenir de quoi? De l'indissociabilité du corps et de l'esprit, donc qui fait référence ici à l'absorption de la déité des sceaux. Se souvenir également de préserver, de maintenir l'orgueil divin, qui fait référence donc à la méditation donc sur la déité des signes ou des symboles. Et donc on voit donc avec ces trois répétitions donc de syllabes donc que ainsi donc enfin ces trois répétitions font, pardon. Cette partie donc du mantra fait référence en fait à la méditation donc des six déités, c'est-à-dire à cette à ce qui relève de l'absorption en relation avec la base subjective. Itewate, quant à elle, cette expression donc, fait référence, on dit, à ce qui. Alors, le terme littéralement, c'est tourner en tibétain, ou ce qui entoure. Et ici, donc, c'est pas tellement qu'il y ait besoin d'avoir un entourage au sens figuré, c'est-à-dire autant de déités qui entourent l'être principal, peu importe. En fait, il suffit qu'il y ait une génération frontale, donc une déité en face, pour parler, en fait, proprement parler. Donc il n'est pas nécessaire qu'il y ait plusieurs déités. La simple présence donc, de la génération frontale suffit à parler donc, d'entourage. De la même façon que pour la génération frontale, l'autogénération est une autre déité. C'est le fait de ne pas être seul, qu'il n'y ait pas une seule déité. Et donc cela fait référence à la deuxième absorption, l'absorption effectuée en dépendance de la base objectale. Le terme donc de tsale fait allusion à quelque chose qui est fluctuant, qui est en mouvement en fait, qui est un mouvement qui fluctue. À quoi est-ce que cela fait référence? C'est à la récitation donc à la récitation verbale et à la récitation mentale qui est effectuée en relation avec la forme des syllabes et le son des syllabes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a récitation verbale, la langue en fait s'agite donc est en mouvement en fait pour réciter donc les différentes syllabes du mantra, et lorsqu'il y a récitation mentale, c'est l'esprit lui-même qui s'agite pour lire en fait chacune des lettres, donc la forme de chacune des lettres du mantra. Ces deux donc tsale, donc ces deux notions de qui est en mouvement ou qui peut-être plutôt que qui fluctue, qui est en mouvement, font référence donc aux deux dernières absorptions de la branche des quatre branches de la récitation. À savoir l'absorption effectuée en dépendance de la base de l'esprit et celle effectuée en dépendance de la base du son. Tatine parzale parzale sach tigi rabdu yoas ta rabdu yoas cheba tigi deba chitang korte cheje deba tela ane ngande ane chele khube gonne deba chitang chi yores o lung phumje sungwe gonne ane yigi deba chitang chi yores o thingi ni ditam bara ta tampu dikare
chele kuibo kono nga ge deba. Ani ngumata chibo. O ti ngumata chibo ta. Long. O ta thagi ti dejo yela shi samden ti shabro ba. Long. Ta thande ti deba chizu thala yigi su nga de ta inde ni yores. O ta nga ge deba ti chele ki pheju tamba kone deba chaya chi ta lung phumje sungwe kone ani inde chatan chi ni res. Ti inza parchale parchales. Deva chitsu karimba, slav yundu, ta ngande shuvu devata, yigi deva nyes. Donc, avec Tsale Tsale, donc, a été terminé, donc, enfin, cette partie du mantra évoquait donc la dernière des quatre branches de la récitation. Par Tsale, donc, est comme un superlatif, ça veut dire très en mouvement, on peut dire turbulent, mais c'est très en mouvement, en fait. Et ici, ce qui va être expliqué est assez analogue, mais c'est simplement, par rapport au commentaire, une division différente. C'est-à-dire que ce qui a été décrit jusqu'à avec Tsale Patsale, qui est en mouvement, ce sont les branches de la récitation. Maintenant, ce qui est expliqué, c'est comment s'effectue la récitation. Et donc, c'est pour ça qu'on va retrouver, en fait, ce terme de en mouvement. Qu'est-ce qui est en mouvement? C'est toujours effectivement le mouvement de la langue qui a lieu lors de la récitation verbale, donc du mantra. Et qu'est-ce qui est en mouvement? C'est aussi l'esprit qui sera en mouvement lors de la récitation mentale, c'est-à-dire de la lecture en fait qui sera effectuée du mantra, alors qu'il y aura rétention donc de la respiration au moment de la pratique de la respiration du vase. Donc, mais ce qui est en mouvement, donc c'est l'esprit lui-même donc qui parcourt les différentes lettres. Tatene kusume ware sech tua kusume sete medoma sejre medo tigi kato da ibgi tene kato da ib da ti ane kivu chita yil deva deva o tin nashi mene something tigi ane Nenjo pegi, tinginzi, tiitopgi, ane lula detre jimba amu. O tindegi, ta tumungu ngudu jimba. O tindegi dan dene, menegi samde, kusume tangbodegi menegi samde, kusume nyibategi danegi samde, ware sayategi, tenya chahawa. O tigi, ane danta tawatebe samde, o tusimuna. Le terme de kusume, en fait... Ta ware sayate chomare, ta cho, telegya cho, o tusimuna. Le terme de Kusume donc fait référence aux fleurs, plus précisément même à la déesse des fleurs en fait, ou une déesse des fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Lorsque sont offertes en fait des fleurs, ou les fleurs servent à quoi? Elles sont offertes pourquoi? Afin de ravir l'esprit, afin de faire naître une grande joie en fait dans l'esprit. Ici, ce premier kusume fait référence à la concentration qui demeure dans le feu. Il est dit qu'en dépendance de la qualité de concentration obtenue par le yogi lors de cette concentration qui demeure dans le feu, on l'a dit comme obtention ou comme acquisition commune
ce yogi fait l'expérience d'une très grande félicité associée donc à une intensification de la chaleur dans son corps. Et donc c'est un parallèle donc qui est fait ici, où cette illustration est utilisée donc pour parler de cette première concentration. Et le deuxième, en fait, il faut lire ensemble Kusume Waje. En fait, cette notion de Waje met une notion d'excellence ou de quelque chose de suprême, en fait, de supérieur. Et donc on pourrait dire la plus excellente déesse des fleurs, si vous voulez traduire, mais c'est en tout cas une exacerbation donc de cette joie et de cette sensation de chaleur qui sont vécues dans le décours donc de la concentration qui demeure dans le son, donc la deuxième. Donc le terme ensuite dans l'expression illi mili en fait se lit distinctement. Illi en fait ça veut dire et alors qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce que cela donne de d'emprunter un tel chemin en fait, qu'est-ce qu'il en ressort donc en fait. Et mili dit donc assurément, de façon certaine, et donc qu'est-ce qu'il en ressort. Alors il faudrait voir Tidi Zola, ça fait référence, une des interprétations fait que ça fait référence à la lèpre, à la maladie qu'est la lèpre. Et alors selon comment on le lit, Mapanaye fait référence au fait de soulager ou de traiter, en fait de soigner cette maladie. Et donc qu'est-ce que cela signifie, c'est que en procédant le long de ce chemin, assurément donc l'on parvient à obtenir les différentes réalisations. Donc ça c'est une illustration, le fait de soulager la lèpre, mais sont ainsi accrus les mérites, est ainsi accrue la durée de notre vie, sont ainsi obtenues les différentes réalisations des textes les réalisations communes et la réalisation suprême, à savoir donc l'état de Chenrezi. Et donc juste pour l'avoir à l'esprit, Tsidi Zola donc peut se lire de deux façons différentes. Donc soit la coupure est correcte, soit elle ne l'est pas. Soit c'est Zola et Manapaye, soit c'est bien Zolam Apanaye. Donc les deux sont possibles. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Oh, yeah.